Polo, t'allais bien ? T'allais bien la pelote ? T'allais bien la pelote ?
TP. Mislim, jedan avansar. Goulon Denery, bonjour à tous nos auditeurs et auditrices que nous écoutons au Fogarassi. On est ici en direct au train qui garate de Saint-Jean-Pied-de-Port pour la quart de finale tout à l'heure à 17h, match hospital Peugeot-Sandit. On a décidé de vous faire vibrer le dernier 10 minutes de jeunes de lycée Éricard de Saint-Palais. C'est l'avenir de la planète, surtout le futur aussi, c'est que le futur Dicasso, le futur Mathieu Hospital, le futur Péo Laralde, le futur Péo Guissandit. On a décidé de le mettre à l'heure les 10 dernières minutes avant l'hôpital Péo Guissandit. Pour le moment, 29 à 27, partie très serrée, le vert 29, le bleu 27. Milesker, on va vous laisser vivre ça. Après juste cette partie, il y aura échauffement de pilotarie, Péo Guissandit et Mathieu Hospital. Vous allez vivre ça ici en direct sur Fogarassi. On est en direct ici. On est seul à vous proposer. On est seul à vous proposer des directs de jeunes amateurs ici au Pays Basque. Vous êtes nombreux à nous suivre. Milesker, à tout de suite. On vous laisse vivre cette partie.
Sì, allez les gars, c'est pas fini, allez, allez joue, allez. Ongi, ce qui vient d'arriver, encore la partie que vous attendez, ce n'est pas encore commencé. Là, il y a des jeunes de lycée Erika de Saint-Palais, qui est le futur de la pelote basket ici, le futur de Casso, le futur hôpital, le futur du Sandit, le futur P.O. Larade, qui joue 38 à 33. Tout à l'heure, après juste cette partie, vous aurez Péo Dissalit et Mathieu Hospital qui vont rentrer. L'équipe de lycée Ericard de Anvers qui mène 39 à 33. Ils ont décidé de mettre à l'honneur le jeune ici, le jeune de Saint-Palais,
Donc c'est le futur, voilà, c'est ça. C'est qui, l'avenir de la Colette qui joue en ce moment avant la qualification. Merci, mille espoirs. À 33 victoires, l'équipe de l'ICL Car qui sont en vert. Je crois que c'est des copains de Porte qui se connaissent, qui ont même lycée aussi. Victoire le vert contre le boulet 40 à 33. Et là, tout à l'heure, la partie que vous attendez tous ici, la quart de finale palpitante. Pio Guissandit et Mathieu Hospital, ils vont pas tarder à rentrer dans quelques minutes ici. On va voir les jeunes qui sont là, les adversaires à venir bientôt. Mille espères, vous êtes nombreux à nous suivre. On va les prendre en photo. Mettez-vous contre le mur, là. Là, on va prendre en photo. Et ils donnent surtout le nom. C'est possible de prendre les photos. Les photos, c'est bien. Et bientôt. Comment vous dites ? C'est ceci. Sa photo à l'entraîneur. Vous avez pris des photos un peu pendant la partie. Est-ce que ce sera possible ? Sur le site de la Voice of Code. On pourra aller. Bravo, félicitations, comment tu t'appelles? Peyo. Tu viens de quel village? De Souraïde. Souraïde, j'ai vu que tu étais au lycée de Saint-Palais, c'est ça? Oui. Parmi cette partie que vous avez gagnée avec ton copain, comment ça? Pétier. Quelle partie aujourd'hui? C'est votre première victoire, vous avez l'habitude de gagner? On gagne quand on peut. Aujourd'hui, on a pris un mauvais départ, mais après ça, on est bien revenu. On a réussi à gagner. L'avenir, le terme de la pelote, est-ce que tu as fait ton choix? Tu fais d'autres sports ou pas? Non, moi je fais que de la pelote. De la pelote? Donc l'avenir avec toi, c'est la pelote. On verra ça. Bientôt, on va te voir encore en piste de ton parc. Je sais pas ça, j'espère. On verra. Est-ce que tu parles le basque ou nous dis quelques mots en basque? Mineshker. Jeune. Merci. On appelle, comment il s'appelle le jeu? Bravo, viens ici. Bravo, félicitations. Comment tu t'appelles? Merci, je m'appelle Chung Salvador. Quelle partie aujourd'hui, malgré cette étape? C'était compliqué, j'ai compris le but et voilà. Est-ce que tu fais d'autres? Je passe toujours ramener. Est-ce que tu fais d'autres sports avant ou il y a juste la pelote? Non, pas la pelote. La pelote? Ouais. Pour toi, l'avenir c'est la pelote, c'est pas le rugby, c'est pas le surf ou c'est pas le bruit? Non, l'avenir c'est la pelote, bien sûr. Merci beaucoup, très merci, mille esquerre. Vous qui nous regardez aujourd'hui, la partie, vous voyez, Mathieu Hospital est là, Pio Guissandit est là, le public est là, parce qu'on ne peut pas dire que c'est plein aujourd'hui, mais il y a du monde encore. La deuxième quart de finale, pardon, il y a eu un quart de finale qui devait y avoir hier matin à Asparin. Malheureusement, il y a eu forfait de Mika Damandrai, donc Péo Laral file direct ici à Garassi.
contre lui 116. Et la partie, ça va être bientôt sur Infogarassi. On est seul ici à vous proposer de jeunes talents que vous allez voir plus tard à l'avenir. Et puis tout ce qui est rugby ou ce qui est la pelote. Milesker, continuez à nous écouter et à nous regarder. La partie palpitante ici, on va connaître tout à l'heure l'adversaire de Batiti Dikassou, le roi Dikassou, parce que 6 fois champion du monde, pardon, 6 fois champion de France, 6 fois super précise et 2 fois champion du monde. Merci beaucoup, on va voir tout à l'heure quelqu'un de la fédération pour nous donner le programme, parce que vous savez que le tirage au sort, c'était vendredi, le championnat de France 2-2, sont sortis, beaucoup de gens ils sont au courant. Milesker. Bonjour à tous nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent sur Garassi.fr. Aujourd'hui, on reçoit un grand monsieur. On présente ici tout son père. Il a pris la succession. Son père, Jean-Baptiste Despoura. On est avec le monsieur Bruno Despoura aussi, qui est là, qui est représentant de la Fédération de la France de Pelote. Egunon. Bonjour. Merci beaucoup parce que les tirages au sort du championnat de France du AD sont sortis. Je vous aime pour vous donner le groupe A, le groupe B, le programme et quel truc qui sera à se jouer. Alors, donc, vous auriez les équipes suivantes. Echeverria Dukassou, Ipar Barald, Hospital Richambuc, Onsomendi Lambert, Darmandrai Saint-Paul et Maïs Sanchez. Ça, c'est pour le groupe A. Pour le groupe B, vous aurez Pierre Bureau, Subiat Elgar, Egui Ugarte, Siarusta Larald,
et une chose perturbée. Alors les trinquets seront, nous allons aller à Paris, Pau, Anglette, Saint-Pé-sur-Nivelle, Guérindin, Montléon, Saint-Palais, Arcang, Asparin et Bayonne. Juste quand vous allez à Pau, est-ce que vous savez les dates ou pas encore? Oui, on a les dates, mais je ne les ai pas en tête. D'accord, c'est pas grave. Non, ça commence le 12 mars à Arcang. Et après, le 19 mars, nous allons à Paris. Ça sera la veille de France-Galles. Après, le 20 mars à Saint-Palais. Et ainsi de suite, ainsi de suite. De toute façon, vous en serez informé au fur et à mesure. Puisqu'il y aura des parties aussi tous les lundis à Saint-Apollon, jusqu'au final. Je vous en informerai au fur et à mesure. Chers auditeurs et auditrices. Cette année, on a vu que les équipes sont équilibrées, il n'y a pas de favoris. Oui, alors cette année, les équipes sont équilibrées parce que, en fait, c'est maintenant le Chipilota travaille de très près avec la Fédération française. Et en fait, on estime que le championnat de France doit être une référence. Donc les équipes doivent être les mêmes que ensuite les Masters, etc. tout le long de l'année, avec vraiment des équipes solides. Et ensuite, comme ça permet aussi après pour les gens d'avoir une visibilité. Et après, on va beaucoup plus pouvoir travailler avec les jeunes qui arrivent derrière. Et ce qui est très positif dans ces histoires, c'est qu'on voit que les jeunes pointent le bout de leur nez. Et c'est ça qui est important. Merci beaucoup, Minesker. Souli. Monsieur Bruno Jescura, je vais te dire que nos auditeurs ici, quelques mots en basque pour finir. Yeshker Dederi est à Ikouchaché. Minesker, merci à vous. On vous laisse tout à l'heure. Vous voyez, sauf moi depuis l'Ontario, tout le monde est là. Parce que là, ici, le train qui est plein, ça va être une partie palpitante ici. Surtout la deuxième quart de finale, Pierre Perlarande, il est en demi-finale contre lui, sans cesse. N'oubliez pas ça. Merci, Milesker. Non, je vais commencer par ça. Voilà, bon.
Thank you.
demi-finale. À 16h, le groupe B avec Ugarte contre Otsomendi et à 17h, Sanchez contre Lara. Ici même, lundi prochain. Aujourd'hui, à Rouge, Mathieu Ossida. Et à Blanc, Rio Kishanou. Vous avez bien entendu le programme du week-end prochain, lundi, dimanche et lundi pour les demi-finales du championnat de France. Et là, la deuxième quart de finale, Mathieu Ossida contre Pio Kishanou. Qui va commencer? Hier, il y a eu la victoire de Pio Laral sur le forfait de Michael Damangai. Pio Laral est en demi-finale ici contre lui sans. Allez, c'est parti. Le but à Master Hospital. La partie en 40 points. Pour Hospital. Mathieu Ossida en rouge et au descendit en bleu. Thank you.
1-0. Zéro pour Hospital contre Péo Guissandit, Hospital en rouge, Péo Guissandit en blanc. À zéro. Cinq pour Mathieu Spital qui est en rouge, 0 pour Péo Guissandit en blanc. Thank you.
Enfin, un point de PO de Sandit, 1 à 6. Tempo. Un à six. Neuf.
10 à 1. Match Hospital, c'était la finaliste de l'année dernière contre Batiti Picasso. Falta faute 2 à 10. N'hésitez pas à encourager votre pilotarie. On voit Palpito 64 qui dit au papillon. N'hésitez pas surtout de donner le pôle aussi. Comment vous voyez cette partie? 6 à 10. À 6. Hospital 11, Péo, Gisandit 6.
7-11. À 7. À 8. Quelle partie de Mathieu Hospital qui mène 14-8 contre Péo qui s'en dit
Je vous rappelle, c'est la deuxième quart de finale du championnat de France Elite Pro. Celui qui gagne là, il sera contre Batiti Bikassou dimanche à Aspire à 11h. L'hôpital qui est craqué en premier, ça fait 9 à 14. Onze pour Péo Larade, 14 pour Mathieu Hospital. Thank you.
15 à 11. À 16. À 12, 17 pour Mathieu Hospital, 12 pour Péo Guissandit. La deuxième quart de finale des championnats de France, ici au Trinque Garage de Saint-Jean-Pied-de-Port, en direct. Le gagnant d'ici va jouer dimanche contre Batiti Dikassou à Asparin à 11h. Et on revient ici lundi, Péo Larande contre Luis Sanchez ici. À 17h, avant d'avoir celui-là, il y aura une demi-finale du championnat de France aussi, groupe B, Ougarté. Ougarté contre Martinol Semendi et déjà dimanche, Simon Lambert contre. Juste là. Voilà. Yon Saint-Paul. Mille esquers à M. Edouard Maïté qui me rappelle. 18 à 12.
19 pour Mathieu Hospital qui est en rouge, 12 pour Péo qui s'en dit en blanc. Ravi de voir Pierre Bissandé courir à notre hôpital. Ça fait 13 à 19. Je voulais juste dire à nos auditeurs, rien n'est parfait dans la vie. Seul qui est parfait, c'est le Seigneur. Avant nous, il n'y avait personne qui faisait les directs pour les amateurs. Soyez sympas. On comprend que de temps en temps, vous dites des gros mots, on vous insulte. Mais sincèrement, ça ne sert à rien. Ça vous soulage peut-être vous, surtout Ineco. Ineco, peut-être j'ai prononcé mal ton nom, à Tchouktaz ou à Zibero. Donc ça ne sert à rien de rester derrière l'écran et dire de gros mots. La vie est comme ça, ça ne vous plaît pas, c'est comme ça. Voilà. Ça fait 14 à 19. Ça fait 14 à 19. Je voulais vous remercier, vous êtes nombreux à nous suivre, mille esquers. Donc c'était juste une mise à point. Voilà, Maxime, il n'y a rien de grave. Partout où on nous autorise de montrer nos jeunes, ici, jeunes basques ou jeunes ailleurs, ou le Kinotari, ou le rugby, ou les amateurs, on sera. Voilà là où on a l'autorisation. Et puis aussi, surtout, nous aussi, on veut faire ce qui peut pas venir revoir ici les partis qui sont âgés, et aussi même peut-être de cette mot handicapé parce que les trains qui ne sont pas adaptés, ils pourraient voir ce jeu. Donc on ne va pas trop parler beaucoup, on va vous laisser regarder la partie palpitante ici. Ça fait 14 à 19, mille esquels. Quelle partie aussi pour premier, comme on entendait Mathieu Hospital et Péo Guissandit. 20 pour Mathieu Hospital, 14 pour Péo Guissandit.
21-14. C'est la quart de finale du championnat de France Elite Pro. Mathieu Hospital, Péo Gissanit. Celui qui gagne là, il va jouer contre le roi Baptiste Picasso, 6 fois champion de France, 6 fois champion de Super PCS ici et 2 fois champion du monde. Est-ce qu'il va garder sa couronne? Est-ce que, parce qu'il est beaucoup sollicité par Péo Larade, par Louis Sancel, peut-être aussi par Mathieu Hospital ou Péo Gissanit, on ne sait pas. Par qui, on ne sait pas encore. 22-14, il est accordé par Mathieu Hospital. 22-14. Sens pour Péo, deux fois qui rentre pas sur le filet. Falta, faute 15-22. En plus, au niveau du championnat de France, le tirage. Il y aura Hospital Péo Gissanit ensemble. Il y aura aussi Baptiste Dikasso. Et tu verras Ignan. C'est le jeune Antoine Liron contre Philippe Biel aussi. C'est équilibré cette année. Surtout aussi notre le 2 maïs et lui 616 ensemble. À 15.
25 à 15. Ça fait 10 points d'avance pour Mathieu Hospital. Vraiment, ce n'est pas dénigré, mais on voit mal qu'on est venu gagner cette partie. Mathieu a toujours fait course en tête depuis le début. On ne sait jamais dans l'espoir, tant que ce n'est pas fini, rien n'est gagné encore. 25 pour Mathieu Hospital en rouge, 15 pour Péo Guissanit en blanc. De Mathieu Hospital, ça fait 26 à 15. À 26. Ça fait 27 à 16.
On rappelle au niveau du sondage du jour, on nous avait demandé si l'hôpital pouvait gagner. Vous êtes 66% en voté, 85% victoire de Mathieu Hospital, et non à 15%. Mileskia, vous êtes aujourd'hui 230 pour le live en direct. Vous êtes 700 à venir voir ce qu'il y avait sur le live. Mileskia. Qui est le point 28 pour Mathieu Hospital, 16 pour P.O. Guissandi. À 16. Pour Mathieu Hospital, 16 pour P.O. Guissandi. Comme là c'est parti, on aura Hospital, comme c'est parti, on ne sait pas encore, c'est pas fini, mais on aura Hospital Dication en demi-finale, le championnat de France Elite Pro. Et le deuxième demi-finale, il y aura Luis 116 et P.O. Larald ici au Trinque Garage de Saint-Jean-Pied. À 17h, avant ça, il y aura un demi-finale du groupe B. Il y aura Ougarté contre Martin Olsomeni. À 30.
18 à 30. À 18. Dommage encore pour payer 32 à 18. À 18, match hospital, 33, PO Guissandes, 18. À 18, on voit que les favoris sont au rendez-vous. Mathieu Hospital était favori, Péo Larade était favori, Luis Sanchez était favori, Batiti Dikassou, le tenant du titre. Là, c'est toujours le même, comme si au tennis, on a Federer ou Djoko ou Nadal ou les autres. On va recevoir un grand monsieur de la pelote qui a tout donné sa vie à la pelote, ancien président de Escupilota, monsieur Batiti Dikassou. Batiti Dikassou. Egunon. Bonjour. Bonjour tout le monde. La
à bientôt. Ça fait 35 à 18. On sait que le favori sera au rendez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que le score est sévère. C'est une très très jolie partie. Tout un joue très bien. Le public est content. Le joueur s'accroche, c'est bien. Hospital du Cassou, qu'est-ce que vous en pensez à cette demi-finale palpitante, le finaliste et le gagnant de l'année? Un peu longtemps, on ne peut jamais dire. Est-ce que vous qui êtes sur ce circuit tout le temps, parce que moi, depuis que je suis là, je n'ai pas vu Mathieu Hospital battre tête à tête Batiti du Cassou. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ou nous dire quand? Je ne me rappelle pas. Il est possible qu'il ait gagné, mais je ne me rappelle pas. Je sais que Péo Larade il a gagné, Louis 616 il a gagné, et l'autre deuxième demi-finale qui va opposer Louis 616 et Péo Larade, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on ne peut rien dire. C'est une partie, pour moi, qui est très équilibrée. Et on ne peut pas dire qu'il va gagner. J'espère, en tout cas, ce qu'il faut espérer. J'espère que le public sera là et il faut que la partie soit belle. Après, il y a toujours un gagnant. C'est vous qui avez découvert Louis 616, vous l'avez amené en France ici pour jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous avez voyé qu'il avait le talent? On l'avait vite vu qu'il avait du talent. Bon. C'est bien. Ça mélange un peu. Ça. C'est bon. On voit que le public répond bien. Bon, je pense que c'est une belle chose. Merci beaucoup. Souris à la salle. Merci. Ça fait 36 à 19. Donc, Mathieu Hospital, il est au rendez-vous normalement. 36 à 19, pardon. À 19. Falta faute 38 à 19 au niveau du sondage. Vraiment, vous avez bien vu, vous étiez 75% à voter pour Mathieu Hospital qui allait gagner. Vous êtes 87% à dire oui, qui allait gagner, et 13% pour PO de Saint-Luc. 38 à 19. N'oubliez pas surtout, dimanche prochain, à 10h, la première demi-finale du championnat de France Elite Pro Groupe B qui va opposer à... qui va opposer Simon Lambert contre Lyon Saint-Paul. Et ici, à Garassi, lundi aussi, il y aura l'autre demi-finale, Martin Olsemendi contre Ina Ugarte ici. Et à Asparin, à 11h dimanche, il y aura Batiti Di Casso, Mathieu Hospital. Et ici, lundi prochain aussi, il y aura Louis 116 contre Peyo Larralde.
Falta, ça fait 39 à 19 à Skina. Alors, il y a Mathias Pital, le parti en main aujourd'hui. Il y a une partie anthologique palpitante. De Mathieu Hospital 40 à 19. Il a été toujours en tête Mathieu Hospital contre Baptiste Éducation. Lui 116. Les demi-finales sont connues. Milesker va essayer de voir Mathieu Hospital. On attend la photo pour voir juste la réaction de Mathieu Hospital là, sur cette partie. Sont nombreux et vous attendent. Félicitations. Quelle partie aux amis. Oui, je suis content d'avoir gagné. C'était mon objectif. Et voilà, maintenant, j'espère que je vais bien récupérer pour jouer contre la demi-finale. On sait que l'année dernière, vous étiez en finale. Et là, cette année, vous tombez contre votre adversaire. Je ne sais pas, excusez-moi de poser cette question. Quand vous avez battu la dernière fois à Baptiste Éducation ? En tête à tête, jamais. En 2 à 2, je ne me rappelle plus. Il y aura un début à tout cette année. On verra. Donc, je voulais vous remercier. Merci beaucoup. Que vous êtes parti. Et vous qui nous regardez, merci, Milesker. Et continuez à nous suivre. Il y aura la demi-finale dimanche et lundi ici. Merci beaucoup. À très bientôt sur Info Garassi. Milesker.